la déforestation s'emballe. Depuis le mois de janvier, plus de 6400 km² de forêt amazonienne ont disparu au Brésil. C'est presque deux fois plus que sur la même période l'année dernière. Rien qu'au mois d'août, les chiffres ont triplé en un an. Résultat, cette année, pour la première fois depuis 11 ans, la déforestation pourrait même atteindre un record, 10 000 km². Une accélération poussée par la pression des forestiers et des éleveurs brésiliens. Ils souhaitent ouvrir réserves indigènes et zones protégées pour développer des activités et des prospections minières. Le phénomène est encouragé, selon les défenseurs de l'environnement, par le président brésilien Jair Bolsonaro. Des documents qui ont fuité mi-août montrent qu'il aurait même des projets très concrets pour l'Amazonie. La construction d'une centrale hydraulique ou l'extension d'une autoroute notamment. Les spécialistes désignent la déforestation comme la grande responsable des gigantesques incendies de cet été au Brésil. D'après les experts, il devrait même y avoir en septembre davantage de foyers d'incendie dans la région.